La délégation régionale des forêts et de la faune de l'Ouest vient de frapper un grand coup. Environ 240 kg de viande de brousse boucanée ont été saisis ce 24 janvier 2015 par les éléments de la brigade régionale de contrôle de l'Ouest. C'était au poste fixe de Sakta, à bord d'un véhicule de transport en commun en provenance de Foumban. Il s'est agi de 18 gigots de céphalof et un en entier, de 65 gigots de phacochère, de 13 gigots de chevrotin aquatique et de 12 singes en entier. Conformément aux instructions du ministre des Forêts et de la Faune, Ngolais Philippe Mbouessé, visant à réduire les risques de transmission de la maladie à virus Ebola entre les animaux sauvages et l'homme, la viande saisie a été incinérée hier à la délégation régionale des Forêts et de la Faune de l'Ouest à Bafoussam. Le ministre nous a donné des instructions fermes pour détruire les produits qui peuvent être contaminés par ce virus. Et le fait de brûler aussi amène aussi à faire une certaine sensibilisation, amener le public à comprendre vraiment que ce sont des produits dangereux actuellement et que cette maladie est vraiment dangereuse, qu'elle vit, qu'elle sévit et qu'il faut éradiquer, qu'il n'y ait pas de contact avec le Cameroun. Ces mesures visent à protéger les populations du Cameroun suite aux ravages causés par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest et son apparition récente au Nigeria voisin.